jour, il fait nuit, nous sommes déjà d'attaque. Non, je rigole, on était sous un tunnel. Ah, ah, voilà. Bon, on s'est levé. Hein? Je suis rigolote un peu des fois. Un petit peu quand même, non. On s'est levé, là on va aller, on se dirige direction le centre commercial de Belle Épine. On va aller regarder, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. On n'est pas loin, juste à côté. Et puis voilà, la journée, je sais pas ce qu'on va faire du tout. On va aller, après on va aller au centre de Paris, on va aller faire le tour de Paris. On va aller voir la Tour Eiffel parce que Chachouna, la dernière fois qu'il a vu la Tour Eiffel, je crois qu'il avait peut-être 2 ans ou 4 ans. C'était un bébé. C'est toujours un bébé, mais bon. Et là on est passé devant Orly. Il y avait un Concorde, le Concorde là qui était arrêté. Et Shaïd, il a dit quoi? Ah, il y a le concombre. Et tu voulais faire une salade de tomates après, t'as dit. Ah là là. Donc voilà. Bon, on roule et j'essaierai de filmer à Belle Épine s'il n'y a pas trop de monde. Comme d'hab. Il est là, le centre commercial. Oui, je sais, on va sortir. Il est là, le centre commercial Belle Épine. Voilà, en fait c'est un centre commercial avec plein de boutiques, tout simplement. Voilà, on est rentré dans le centre commercial. Il y a toujours le manège, 5 ans après il y a toujours le manège. Voilà. Donc là on va rentrer au Carrefour, on va aller s'acheter quelques gâteaux pour déjeuner parce qu'on est parti vite fait, tout le monde dormait, on les a pas réveillés. Donc là on va aller chercher quelques petites chocolatines. Pas trop parce qu'après on va manger au chinois et c'est sa volonté, donc il faudrait pas qu'on ait plus faim arriver là-bas. On monte. On monte. Il y a 3 étages il me semble. Je crois, il y a 3 étages non? Ouais, il y a 3 étages. Génial. Donc là on est au 2e étage. En bas c'était la bouffe. On s'en va dans notre étage préféré et là on va à la droguerie. J'ai le vertige. Regardez ce qu'il y a en bas. Je m'approche pas trop, j'ai le vertige. Moi je vais aller faire ça vite avant qu'il y ait la queue. Là on est au 2e étage, on va aller prendre l'ascenseur. On va aller prendre l'ascenseur et on va aller faire virtual machin. Il est très grand quand même le magasin, il est jusqu'à là-bas. Et il est propre aussi. On prend l'ascenseur ou les escaliers? On prend l'ascenseur. Ouais, on prend l'ascenseur. Ah, c'est beau là-bas. Terrasse. Oh, allez, il y a l'ascenseur. Bon, du coup, je l'ai pas fait, il y a trop de monde. Voilà. Il y a trop de monde qui attend et c'est 10 minutes par personne. Du coup, je l'ai pas fait. Tant pis. Je reviendrai. Il y en a un, je crois, sur Montauban. Je vais voir. Allez. On y go, parce qu'il faut qu'on aille bouffer un petit peu quand même. Non, on n'a pas mangé aujourd'hui. C'est pas, ça, quand il y a les vlogs, quand on n'a pas mangé, c'est pas bon pour nous. Hein, en général, déjà, on a mangé dans le vlog. On va donc pas aller au McDo, vous inquiétez pas. Non, on va pas aller au McDo. On va aller mieux. On va aller se remplir le ventre. Encore mieux. C'est bon, on va aller manger. On a récupéré quelqu'un avec nous. On a récupéré la grande tige avec nous. Qui fait 4 mètres de long. Je sais pas comment elle est montée derrière, mais. Ses pieds. Ah oui, ah oui. Les pieds, c'est des palmes. Je suis pas une de tes fans, n'en crois pas. Mais oh. Ah bon. Vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Comme vous êtes serrés, une seconde. Mais regarde, moi je suis pliée. Bon, allez. Vous êtes prêts? On va dévaliser le restaurant. Bon allez, wow. Ah, c'est trop belle, on est arrivé au chinois. Wow. C'est hyper grand quand même, hein. Qu'est-ce que t'as? On va commencer par le poisson. Il y a beaucoup de choix ici, hein. Beaucoup de choix. Par contre, il y a beaucoup de monde, alors je sais pas si je vais beaucoup filmer. Deuxième round, mais on est qu'au début des rounds. Voilà. Il y a au moins 10 rounds. Carrément. On fait le walk. C'est quoi, 3e round? C'est ton 10e round. Hein. Ah oui, c'est mon 10e round, je suis désolée. Regardez, j'ai trouvé ça dans le rayon. Une petite viande avec du fromage à l'intérieur. On va goûter, on va voir ce que c'est. Il nous fait les petites grillades. Et là-bas, ils nous font le wok. Là-bas. Là,
la voiture, je vais la laisser galérer. Attendez. Tu vas friser? Tu vas friser? On n'ouvre pas. Tes cheveux. On n'ouvre pas. Tu restes là. C'est pas grave. S'il te plaît. En plus, je bave et tout. Viens, on s'en va. On la laisse. On repart. Ciao. Viens, on s'en va. Allez. Elle va nous... Tu nous supplies, on ouvre. Ouais, il manque pour ça. Vas-y, dis-nous des mots doux. Dis-nous des mots d'amour. Je retourne au chinois. Franchement, les Parisiens, je sais pas comment vous faites, mais ça fait quoi? Ça fait une heure qu'on est dans les bouchons, là. Ça fait une heure qu'on est dans les bouchons pour faire 10 km. Le GPS, pour faire 15 km, il m'a annoncé une heure. Oh là là, je vous tire mon chapeau, les Parisiens. Je vous tire mon chapeau, déjà, rien que quand on va à Toulouse, je pète les plombs. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Devinez où on va, en plus. Tissène, on va où? Imen, on va où? Primark. Et on va encore à Primark. On va chercher quelque chose. Quelque chose qu'on a oublié. J'en ai marre, ils se battent. Et moi j'ai chaud, vas-y, parlez-vous là-bas là. Ils se battent. Qu'est-ce que je fais? Ça fait combien? Ça fait 3 quarts d'heure? Ça fait 3 heures qu'on est dans les bouchons. Vous êtes où, là? Dans les bouchons. Non mais vous avez passé le feu rouge ou pas là? Non, on passe le feu rouge là. Lâche-moi. Voilà, vous allez passer la scène, mais ralentissez, j'arrive. On a un GPS intégré. Lève-toi. C'était trop drôle. On a un GPS comme un robot, il nous parle. Elle est morte de rire, Imen. Ouvre, il fait chaud. Ah ouais, ouais. Calme-toi. Oui, oui, je suis là. T'as mis le GPS? Oui, j'ai mis le GPS. On tourne à droite. On a atterri. On est où, Imen? On a quel... on a quel centre commercial? Ouais, mais je sais pas ce que c'est. On est dans un centre commercial à... Ou dans quelle ville on est? À Anières, je crois. Et on va aller au Primark. Pour pas changer. Regardez ce qu'elle a acheté. Non, mais attendez, elle a pas fait pire que la Imen devant. Imen, montre-nous ce que t'as acheté pour 30 euros. Pourquoi tu me copies? C'est toi qui me copies. Elle a acheté une petite crème à 30 euros. Moi, j'en ai marre de ces gosses. Avec des bons d'achat, t'as vu? J'en ai marre, ouais, dans ma fête parce qu'elle avait un bon d'achat. Ouais. Sinon, elle aurait pas acheté. Hein. Hey, man! C'est parce que t'avais un bon d'achat. Hein. Ouais, ça, c'est ouais, voilà. On est devant lui. Bon, mais là, on attend son père. Et puis après, on s'en va. On va aller voir s'il y a quelque chose à Halloween à Paris. Man, elle a un souci. Elle arrête pas de me dire je suis fatiguée. Alors j'ai que la fille, envie de elle s'est levée à quelle heure? À midi, elle s'est levée. Et alors... Elle s'est levée à midi, s'il vous plaît. Moi, je me suis levée à 8h. Coucou, ma Génèse. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? J'ai envie de dormir. Dors. La fille, ah, c'est attends. Trop bien, là. La fille, elle fait que ça. Dormir. Hein, c'est trop bien. De quoi? De dormir. Attends, tu dis ça. Le matin, elle nous arrive à 11h. Allez, lavez-vous. Allez. On le voit chez les militaires. C'est pas vrai. Ouais. Ouais. Et nous à 8h on était d'attaque. Dormir, c'est comme Tissène, le bigle. Tu peux donner la main à Tissène s'il te plaît. Ouais, alors Tissène elle fait la gueule. On vous explique un truc. Tissène elle est partie, elle fait la gueule parce qu'en fait elle a acheté un piercing pour mettre. C'est quoi ça? C'est le tragus? Ouais, je sais plus ce que c'est. Là. Bref. Ouais, enfin bon, on s'en fout. Elle a mis dedans et ça voulait pas rentrer. Et en fait c'était trop petit. En fait il est trop petit. On a voulu aller le changer et la vendeuse elle a pas voulu. Du coup elle est partie en pleurant. Elle est partie faire sa crise. Samantha va me tuer. Pourquoi t'as dit ça? Non, ça, elle fait sa crise, elle est partie pleurer. Enfin, pleurer, je m'entends, elle est partie bouder quoi. Ouais, voilà. Parce que la vendeuse, elle a pas voulu lui changer. Voilà. Tout le temps, elle boude, elle. Moi, je peux pas lever le bras là, j'ai mal partout, je peux même plus lever le bras. J'ai les os, ils sont morts. Moi, je passe pas. Non. Dis coucou. Coucou. Regardez. Si trop belle. La tour Eiffel. Waouh, on arrive, attends-nous, on arrive à faire les photos. On arrive à Paris là. Des photos de bonnes touristes. De bonnes touristes marseillaises. Non, non, on n'est pas de Marseille. De bonnes touristes du sud. On arrive. Oui, c'est bon, on est arrivé. Oh, mais il y a du monde en fait. Attention, il y a une voiture qui arrive sur la droite. Waouh, c'est trop belle. Elle fait des photos quoi. Ouais. Touriste quoi. Waouh. J'en ai marre de dire ça. Regardez-moi ça. Des petites tours Eiffel qui s'illuminent par terre.
Papa, tu m'achètes une tour Eiffel? Maman, pas papa, maman, le tour Eiffel. La fille, elle habite sur Paris, mais elle fait des photos, s'il vous plaît. Elle a grandi à Paris, mais on dirait que ça n'y a pas suffi. Bah, mon père, il m'emmenait jamais à la tour Eiffel avant. Nous, quand on venait, on venait toujours à la tour Eiffel pourtant. T'as pas le droit, je crois, de te garer là. Bon, on va descendre, on va aller voir si on peut faire quelque chose. Si on se fait pas prendre la voiture à la fourrière. Les touristes, ils sont là, ils vont acheter des souvenirs. Voilà. Mais je crois que vous m'entendez. Il mène, je l'ai. J'ai ton manteau. Je l'ai mis dans la voiture comme une conne. Il m'attend pas. Regardez, je suis là, la tour Eiffel. Je suis là, la tour Eiffel. Je suis là, la tour Eiffel. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, mais elle est complètement tarée, ça. Bon, mais voilà, on est là. Et qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous dites? Par contre, j'ai la jupe qui se lève. Je caille ma race, c'est ce que j'ai à dire. J'ai le collant transparent, je crois que. Bonsoir. Allez, vas-y. Bonsoir. Non, on recommence. Vas-y, vite, j'ai froid. Bonsoir Paris. Et c'est qui ça? Je sais pas, Bilal, je crois. Mais elle lui ressemble un plus. Ouais, bien sûr. Les bonhommes là, ils se sont déguisés bizarrement. Attendez, parce que depuis tout à l'heure, je tiens ma robe parce que. Oh, mais c'est la trop longue. Yana, il est trop bizarre déguisé. Il est là-bas, là, celui-là, là. Celui-là, il est trop bizarre. Bon, ils vont rouler. Hey, ils sont là, mon père et tout. Où ça? Là. Sors-toi, Imen. Hein? Et s'il ne veut pas, il tombe pas autorisé en fait. Mais moi, je m'autorise toute seule. Allez, vous allez. Oh là là, il faisait vraiment froid. Bon, moi, je suis montée dans la voiture parce que j'ai très froid. Et là, on est garé en double fil. Du coup, on n'a pas le droit. Alors, du coup, je suis montée dans la voiture. Un tour chacun. Voilà, Shashuna et Tissane, ils y sont allés. Et puis après, moi, j'y suis allée. Puis je garde la voiture. Parce qu'on n'a pas le droit. On va se prendre. On va nous mettre la voiture dans la fourrière. Cette femme là? Non, elle est pas maquillée. C'est peur. La pauvre. J'ai On arrive à l'Arc de Triomphe. Voilà. Et on va descendre la rue des Champs-Elysées. Là-bas. Donc voilà. Par contre, il fait très froid à Paris. Enfin là, cette heure-ci, il fait froid. C'est parce que j'ai changé de manteau, c'est pour ça. J'avais un gros manteau ce matin, ça allait bien, mais là, j'ai froid. Mais pourtant, il fait 12, hein. Oula, casser l'appareil photo. Je sais pas pourquoi il y a des gradins, les Parisiens, si vous voulez m'éclairer. Oh, c'est mignon le petit camion là. Si vous voulez m'éclairer, les Parisiens, pourquoi il y a des gradins? Il va y avoir un spectacle à l'Arc de Triomphe, je sais pas. Il y a des gradins partout. Et il y a des touristes aussi partout. Donc là, on va descendre la rue des Champs-Élysées. Regardez ce monde. Ah, les photos, c'est trop beau, c'est là où ils sont les gens. Ils sont contents d'être dans les Champs-Élysées. Si trop si, moi j'aurais dû venir maquiller. Pourquoi maquiller? Pour Halloween? Bah ouais. Pas maquillé. Mais... Il n'y a pas grand monde qui est maquillé pour Halloween en tout cas. Non, un masque, genre un masque. Oh, on voit pas bien, attendez. Attendez qu'on soit en descente. Bon, j'arrive pas à vous filmer là. Il y a trop de monde, j'arrive pas à vous filmer la rue. Par contre, le truc que je sais, c'est qu'il y a le Sephora ici, des Champs-Élysées. Je ne sais pas quel côté il est. Il y a Célio. Célio. Là, il y a quelque chose là-bas. Attendez, ça crie. On va voir ce que c'est. Parce que je vois que tout le monde regarde. Par où? Ah non, c'est là-bas. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je l'ai au bout de la langue. Je sais plus, on est passé là, on a passé Notre-Dame, j'ai pas filmé. Mais c'est hyper beau ici, c'est hyper grand. T'as entendu, il a dit quoi, Chahine? Non. T'as dit je l'ai au bout de la langue, il a fait, ben alors crache-le. Elle a même pas rigolé. Je crois que c'est un nom d'Astérix, un truc comme ça, ça. C'est trop beau ici. Obélix, c'est quoi ton endroit, ça? Je vous fais voyager avec moi, les enfants. Pour les gens qui connaissent pas Paris, c'est bien, je suis mignonne quand même, hein. Qui connaît pas Paris? Ben, y en a qui sont jamais venus à Paris. Hein. C'est vrai? Ah, regardez le bus discothèque. Oh, ils sont en train de danser. Ah ouais? Ouvrez la fenêtre. Attends, laisse-moi voir. Mais lui, il a fait la fête. Ils font la fête. Hein. Et que ça doit pas sentir la rose, la Et le tabac.
C'est bien ça. S'arrête, on descend faire la discothèque avec eux. On se retrouve ici, tu sais, le monde dit des petits quand même, hein. Paris. Et ça, c'est... Qu'est-ce que c'est ça déjà en face? C'est le théâtre, je crois. Non, là, attendez. Attendez, c'est marqué. C'est l'Assemblée Générale. C'est pas Versailles, ça? Non, non, Versailles, c'est un château. Non, comment il s'appelle le musée, là? Le musée de Versailles. Non, ça, c'est l'Assemblée Générale. Oui, mais il s'appelle comment, le musée? Bon, je suis désolée si on connaît pas les monuments, hein, mais on n'est pas d'ici, nous. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Eh, dans mes rêves, je passe à côté de ça. Ah ouais? Quand je rêve de Paris. Ça, c'est le pont des amoureux, je crois. Merci. Clément, j'aime bien. Ah oui, c'est la Notre-Dame, je crois. C'est la cathédrale de Notre-Dame. Ouais, j'ai regardé de la Tour Eiffel. Alors, si je me trompe, dites-moi là en commentaire quand même, parce que j'ai pas envie de passer pour une... Comment tu m'appelais, Tissène, tout à l'heure? Une inculte. Mais j'essaye de me débrouiller quand même, j'essaye. Alors, ouais, on va passer en dessous de la Tour Eiffel, mais on est loin. Alors, moi, c'est de la discrimination, je peux pas filmer. Ouais. Elle est là. Coucou, Madame Eiffel. Attendez, on va filmer la Tour Eiffel. Mais je te jure que chance. Elle est immense. Comme elle est grosse. Quand je pense qu'il y a que... Par contre, il faudrait peut-être, s'il y a une petite âme sensible pour moi qui veut m'inviter au restaurant de la Tour Eiffel, je suis preneuse. C'est cher, vous, c'est pas moi qui vais faire cher. Un petit peu. Comme elle est grande. Oui, elle est grande. Oui. Si, trop belle. Pas trop filmé. Regardez-moi ça, on regarde sous la jupe. On regarde sous la jupe de la Tour Eiffel. Là. Ah mais c'est en travaux partout, c'est chiant que ce soit en travaux comme ça. Bah c'est Halloween en même temps. C'est Halloween qui dit. Quoi boulevard là? Ouais je sais, mais il y a un gars qui est mort là. Ah bon? Quoi? Ouais, en fait parce que le toboggan il était trop fin, il était trop petit et il y a un gros, il est rentré et l'eau elle a commencé à se boucher et il s'est noyé. Ah ouais? Ah ben. Il est mort maintenant. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est passé dans les infos. Ah bon, ben voilà, il y a eu un mort. Je sais pas si c'est vrai, mais... Il a eu de la chance avant qu'il meure, il a bu de l'eau. Il a dit quoi? Il a eu de la chance avant qu'il meure, il a bu de l'eau. Ah ben t'es gentil toi. Il manquait plus qu'un hamburger. Hein. Bon, on rentre, là on est sur le périph. On rentre. Parce qu'il est quand même 11h du soir et moi j'ai mal partout. J'ai mangé, je n'en peux plus et en plus j'ai faim, ouais. Voilà. Je filmerai le bonne nuit. Bon, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit. Ça c'est le coussin. Ah, merde. Non, mon coussin, je l'ai mis. Il est là, mon coussin. Mais non, parce que c'est là, je l'ai gardé à côté de moi. Garde ton coussin. Mais non, j'en ai un déjà. Mais là, toi. Je le veux pas. Je là-bas. On se bat les coussins, les couvertures. Maman, pose-le. Bon, allez. Bonne nuit. Attends, passe les moules. Dis bonne nuit. Dis bonne nuit. Ciao les gars. C'est mort, il dis au revoir à Léana. Elle va te regarder. Voilà. Bisous. Regarde. Oh là là, regarde.